Bonsoir et bienvenue sur le plateau d'Ion News avec moi pour discuter. Nous avons Maître Nil Kandelou, avocat et observateur politique. Donc aujourd'hui, nous allons parler du vote électronique de la diaspora mauricienne, l'actualité politique dans le pays. Maître Delou, bonsoir. Bonsoir Ion News, bonsoir La République. Donc, nous cousin Tipelo, ça vote qui finit non le 8 et le 9, donc samedi et dimanche. Donc, apparemment, nous finissons apprendre aujourd'hui qui pour extendre pour encore une semaine. Donc, où qui ou l'opinion là pour permettre à plus de Mauriciens voter. Tout d'abord, nous avons besoin de remercier les organisateurs qui nous font mettre sa structure en place pour le vote et pour aussi servir nous comme un exemple après l'élection 2019, comme un vrai sondage électoral involving la diaspora et involving les citoyens mauriciens. Ce n'est pas pour refléter la réalité, mais pour donner un sens qui, au moins, in fine, a un engouement pour mettre tout système démocratique en marche. Nous venons trouver qui, dans un pays qui bloque le système démocratique, est fatal pour un leader après. Mais ce processus démocratique-là, dans le sens que c'est une première que la diaspora organise, un baromètre électoral, peut prendre une situation, contexte actuel, au niveau national et international, et pour que coup, combien de monde peut épouser l'idée du gouvernement et aussi ben, l'idée l'opposition parlementaire et l'opposition extra-parlementaire. Donc, il n'y a pas de travail facile pour ça, mon camarade, là, dans le sens que c'est une première, et qu'aussi pour mettre ça en réalité. Nous sommes capables de dire, nous trouvons que l'électorat supervisory commission de Maurice même, il y a beaucoup de difficultés et que c'est avec plusieurs consultations qui est capable de faire un processus démocratique fonctionner. Mais nous pas dans le même cadre légal. Avec ça, petit exercice qui mon camarade peut faire au niveau diaspora, mais toujours lui donne un aperçu qui la réalité, il prend sondage, qui la réalité était le terrain, et est-ce qui là après l'élection 2019, nous pas bientôt mi-mandat, est-ce qui ben l'idée infrastructure le système démocratie, ben l'idée structure le système démocratie. Est-ce qu'il y a encore peut fonctionner? Est-ce qu'il y a encore à absorber un choc démocratique? Donc, il est obligé dans une situation que, oui, bien externe, il n'y a pas assez de temps. Mon camarade, on a toujours de bonnes intentions, mais ça, l'exercice-là, il n'est pas un exercice en one-off. Vous pensez tous les années pour vous un avis, parce que tout ban bureau pluriel au niveau statistique, de tout envie, garder une mainmise sur la réalité. Alors, tout ça va être un scandale qui finit là après l'élection 2019. Il y a certains camarades qui ont envie de mesurer sur l'impact. Et ça, c'est une bonne situation actuellement pour mesurer l'impact gouvernemental et aussi pour comprendre le travail que l'opposition et extra-parlementaire peuvent faire, comment ça peut être traduit en réalité et comment ça peut être apprécié. Donc, il est tout à fait logique pour une première qui m'a pensé, mon camarade là, disant encore le temps, disant améliorer structure. Et puis, il y a un peu aussi qui ban blocage au niveau trafic Internet peut dérouler. Et aussi, je suis content que l'autorité mauricienne si suive ça de près. Suive-le parce qu'il fait bien suivre-le. Dans le sens que nous avons un alternative mode of voting. Nous avons tout problème d'Amérique. Comment Trump il fait contester, pourtant il est président d'Amérique, mais il contester le processus démocratique tel qu'il était dans l'Amérique. Et ça demande à être revu. Pour dire, mais quand il y a une élection, il n'y a aucune critique, il n'y a aucun doute surtout au niveau de l'exercice démocratique. Doute, il y a des affaires qui nous sont installées depuis l'élection 91, Pévinier, mais il y a beaucoup de doutes, plusieurs doutes. Et moi, je pense, moi, mon camarade, je me félicite d'autres pour ça. Il est amélioré et il y a aussi une leçon particulière à ban observateur politique. Mais aussi pour permettre à enfin à la diaspora mauricienne voter, est-ce qu'il y a un amendement constitutionnel? Bien sûr, pour besoin plusieurs amendements au niveau de la Constitution et aussi nous demandons la loi électorale pour obliger faire lui. Parce que là, il y a plusieurs écoles de pensée en ce qui concerne vote du monde qui vit à l'extérieur. Et on pose la question, bon,
section 44 de la Constitution de nous le droit de vote. Alors, tout du monde a le droit de voter, là, aux 18 ans, mais je vote dans ces circonscriptions qui sont enregistrées. Comment nous voudrons dire ça, c'est-à-dire? Du monde qui reste au Canada, qui n'a droit de vote, du monde qui a dual nationality, qui n'a pas d'affiliation toujours, de la diaspora, qui contribue économiquement. Comment pour cadrer ça? Comment pour déclarer ça un votant? Qui ce lien? Il a besoin d'être un votant avant. Correct, moi, fais-moi dire un malin, une connexion, maman, papa, mauricien, ils ont envie de voter, mais seulement ils ont la nationalité. À ce un processus de nationalité. À ce du monde qui reste des on garde double nationalité. Et là du monde qui garde d'autres nationalités, c'est ma zone permanente résidence. Mais ils ont envie de voter. Comment vous pouvez faire à ce terme? C'était pas oublié au niveau de tout continent qui nous est là. Côte pour venir voter. Comment pour venir voter? Comment pour organiser ça du haut à l'extérieur? Est-ce qu'il ça pour supervision qui s'en a? Est-ce qu'il peut dans ces conceptions spéciales? Moi, je pense la milliers de choses. Si nous appliquons section 44 de la Constitution, c'est qu'un dimon voté, un votant voté dans ces conceptions qui y ont enregistré, allez, correct. Tout ce qui est à l'extérieur, l'y ont enregistré avec Electoral Supervisory Commission, qui l'y vote dans telle circonscription, c'est sur place, habitual place of residence, soit habitual place of residence pour une place côté qui restait avant, ou bien côté une place côté astère, une astère propriété, il reste là-bas. Fini faire la période d'enregistrement de 6 mois pour la diaspora et jouer l'élection, la meilleure des choses, c'est donner un proxy, un dimoun qui est électé pour être ce proxy, lui a le vote dans ses conscriptions qu'il est supposé voter. Ça nous clie tout problème. Mais il y a plusieurs écoles de pensée là-dedans. Il y a... Justement, nous pourrions venir là. Oui. Mais tout d'abord, est-ce qu'il y a un amendement de l'article 4 de la Representation of the People Act pour... L'amendement, il y a besoin de tout ben, la loi électorale qui nous est là, il faut obliger parce que nous avons trouvé une solution, nous avons assisté aussi à une faille. Comment tout accueille une faille? Et la man offense? Comment tout dire que une offense? Un cadre légal dans le vin, il y a un point de purpose, et que le vin aussi pour réglementer, et que ce qui ne respecte pas le règlement, si le vin est une offense, le vin est une pénalité, qui pénalité pour être applicable? Donc, ben, la loi qui nous est là actuellement, il n'est pas possible de permettre la diaspora de voter parce que, premièrement, les banques qui restent de haut, place en résidence côté. Donc, le Representation of People là, la Constitution et les autres cadres électoraux et le pouvoir de commission électorale ici pour bien être revu parce que la commission électorale, lui, quand un de Lyon s'est adressé à lui d'après la Constitution, personne n'a pas le droit de dire qu'il est faire. Pareil que moi, commissaire de police, pareil que moi, n'importe qui chef de poste constitutionnel, personne n'a pas le droit, moi, pas le droit, un premier ministre n'a pas le droit à dire, monsieur commissaire électoral, moi, j'ai envie de faire ça comme ça, moi, j'ai envie de faire ça comme ça. Non, 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 non. Même pas conseiller bureau premier ministre, pas un ancien travailleur électoral sur la commission, élu office dans le bureau premier ministre, après, pour donner une directive commissaire électoral. Non. Il est anticonstitutionnel ça. Bien laisse le commissaire électoral même pas lié ou se délibérer, judgment, décider comment il peut faire ça. Naturellement, il peut être un tâteur pour jouer tout ben parti politique concerné, pour tout ben cadre légal, pour tout ben terrain d'entente. Parce que, comme moi vous dire, moi je trouve que 2024, nous avons le vote pareil, comme on a habitué à voter pendant toute l'histoire. Il est vrai que tout le leader parti politique a besoin d'un changement électoral, tout parti en gaz pour un changement électoral. Mais malheureusement, nous avons été avant, auparavant, qui, ben, ancien premier ministre, il a fait beaucoup de pions, il a fait beaucoup de public consultation pour changer le cadre légal pour les élections. Mais toujours, il y a la main invisible de l'histoire qui est venue, il a fait bloc partout. On trouve une fin passe bill, on trouve une fin faire. Débat parlementaire, mais jusqu'à arriver pour voter, elle n'a même pas venu bloquer ça, empêcher ça aller. Mais là, on arrive le moment pour détecter qui ça l'a mis là. Hein? Faire un scanning, un rôle de technologie, bloquer, arrêter, parce que le développement démocratique plie pour autant qu'il va investir d'intérêt. Vous pouvez aussi, dans plusieurs écoles de pensée, un homme qui peut dire bien exerce le droit de vote à l'intérieur même de notre ancienne circonscription. Ça veut dire si Dimounat, tu peux habiter dans la circonscription numéro 10, par exemple, donc il vote là-bas.
Est-ce qu'on peut dire non, bien réélection dans circonscription numéro 3, comme à Galéen? Et non, une autre école de pensée qui peut dire capable d'intégrer Zut dans le numéro 21, Rodrigue, donc plusieurs codes de pensée. Donc, comment pour capable faire ça finalement, Oui. faire ça venir une réalité qui la Oui. diaspora mauricienne a voté. Et Oui. bien sûr, elle a aussi une autre école de pensée qui peut dire que la diaspora mauricienne, puis pas gain droit, elle a sa droit de vote là, je finis perdu, quand je finis quitte ce pays, je finale déo. Donc, où qui. Où, Ben, il plus l'autre, comment dire, commençons la détermination de la nationalité de la personne et son habitual place of residence. Comment tout cela, il y a un conflict of laws qui est impliqué là-dedans. À certains citoyens, les diaspora, oui, ils n'ont pas de mais c'est moi, ils ne parlent pas de nationalité à pays là parce qu'il y en a une définitive de remain là-bas. Ils sont contents, ils disent non, moi, je suis Mauricien, moi, je ne prends pas de nationalité. Mais il y a des Mauriciens, ils ne prennent pas de PSD. Moi, je ne prends pas de PSD. Beaucoup de monde dans cette situation, quand je paie la nationalité, ça paye que je vais rester là. Mais je gagne droit de rester là-bas indéfiniment. Comment vous dites ça? Donc, mon pensée, si nous continuons passe-boule, le sac terrain qui est là, nous pourrons salir comme ça jusqu'à 2030, moi, je trouve la meilleure des choses, c'est si mon frère est haut, il est domicile de haut, mais il a le droit de voter, il est enregistré parce que nous sommes ensemble dans la même case, il est enregistré dans la case quand nous sommes restés. donc, on peut préconiser un système proxy. Mon pensée, et la meilleure des choses, c'est jour quand il y a élection, mon frère demande permission, même on donne mon frère permission. Quand il finit, vote pour moi, vous votez pour lui. Quand il finit, vote pour lui, il vote pour moi. La meilleure des choses, pas pour une circonscription spéciale, juste pour contenir, parce que c'est les grosses circonscriptions qui vous mettent la diaspora. Mais ça, vous pouvez cause de combien de 1 000 électeurs là-dedans. Là. Si je tout le monde détecté, qui m'a là, qui lit, qui m'a là. Vous pensez quand même, je suis bien l'autre 300, 400 000 électeurs. À ce que vous avez une circonscription, c'est 300 000, 400 000 électeurs, avec votre revendication, avec le nombre de députés, c'est pour ça, mais ça, vous voulez un massacre. Vous préférez stabiliser. Et ça, vous donne beaucoup de changements, c'est arrivé dans le système proxy. Changement au niveau de la presse, changement au niveau MBC, changement au niveau médias, parce que Maurice, pour venir une vitrine bizarre, bien propre, ben, qui peut expecter qu'il peut être élu dans une circonscription. Les papiers existent, fait campagne dans cette circonscription, dos to dos. Les besoins comment se réaliser ici, dos to dos, non, mais vous avez besoin de mon website, vous avez besoin de Facebook, vous avez besoin de tout. Donc, un projet qui, moi, personnellement, pour être pratiqueur, je pensais qu'il avait une réalité en 2030. Mais il y en a aussi certains Mauriciens, maître de l'eau, qui ne sont pas d'accord. Je peux dire la diaspora pas participer ou pas contribuer dans l'économie du pays, se déconnecter avec la réalité, le terrain. Et non, même peut dire qu'ils ne pas payer taxes. Qui ouais non pour répondre à ça? Non, personne n'est pas déconnecté. Loin de là. Personne n'est pas déconnecté. Si tout le monde est connecté, tout le monde a envie d'être connecté. Mais l'intérêt qu'il y a du monde, vraiment, il perd l'intérêt. Il y a du monde là actuellement qui a envie de payer au plus vite possible. Moi, j'ai un des trois du monde qui peut parler de demander aux autres pays pour le travail. Et dire si 10 migrants à thème, là, au bordel, là, moi, je dis, prends mon petit sac, moi, allez. Il y a plusieurs scénarios qui nous inquiètent. Mais pour être déconnecté, non, parce que la vitesse qui le message passait, parfois, essayer de m'apprendre ce qui peut dérouler ici à travers une connexion à l'Angleterre ou une connexion à la France. Moi, vous faites tant de qui arrivent là. Dès qu'il arrive. Et dans mon cas, le premier qui arrive, il arrive dans le pays. Donc, payer taxes, pas connaître la réalité terrain, tout ça là, il n'est pas pour faire partie. Dans ma considération droit de vote. Parce que du moment qu'il y a un citoyen de la République, 18 ans plus, ou qui a le droit de voter, peu importe le mode de connexion, peu importe le niveau d'intelligence, peu importe la classe de société qui vous êtes, mais le droit de vote, c'est une affaire sacrée. Un camarade, pas pour qu'il dire l'autre camarade ne vient pas voter, parce qu'il déconnecté à la réalité, non. S'il y a ce droit pour voter, il est bizarre de voter. Quand il est déconnecté ou bien pas déconnecté. C'est une autre affaire que nous avons en considération. Il y a beaucoup de monde, l'exercice démocratique même, je n'ai plus, il y a une valeur attachée à ça. Il y a du monde qui a cause aux autres, moi, on commence à cause de droit de vote, ou bien élection, ou bien un débat
le niveau de la société. Il dit vrai même, il reste dans Maurice, lui. Il dit, oh, pas mon problème, ça. Bon, pas suivre ces bonnes affaires, là, moi. Pas mon traitant. Ça, c'est une responsabilité personnelle qu'on dit, on dit, on gaze. Ou pas qu'il y a un citoyen, dit, oh, comme ça, bon, pas intéressé avec la politique Maurice, quand il reste dans Maurice et qu'il subit une politique qui est appliquée à lui au jour du jour. Parce que la politique, il rentre partout, il rentre dans la façon manger, il rentre dans la façon vivre, il rentre dans la façon behavior. Et la politique, c'est un groupe de personnes qui pratiquent la politique, mais qui, cette bonne policies, bonne rules, for proper behavior in society et pour coordination. Je pense qu'il arrive, si on a dit que la diaspora n'est pas connectée, mais moi, j'ai plus d'arguments que ça pour dire que Mauricien, ici, il a dit qu'il n'est pas connecté. Et là, tout le monde ne comprend pas ce qui va dérouler quand on pose d'autres questions. Et il y a beaucoup de jeunes qui ne poursuivent même parce qu'ils ne sont pas passionnés about issues of the Republic, passionnés de l'urban policy qui vient de développer. Vous êtes un politicien. Il est venu pour faire la politique. La politique, c'est quoi? C'est un design de policy. Mais s'il n'y a pas gagné l'assistance, qui policy vient, qui modèle vient, il ne pense dans sa façon, il y a un seul one-sided, qui causes dans la qualité de philosophie là. Arrive un moment, il est obsolète. Ça me dit pas de nous résoudre en ce moment, ici, l'autre ici, parce que c'est une base de l'appréciation de la gestion politique. Donc, si vous dites que la diaspora, vous n'avez pas le droit de voter parce qu'ils n'ont pas là, ils ont déconnecté, ou bien ça, c'est un faux argument. Voter, oui, c'est qu'il a droit de vote. Et que vous avez trouvé une solution pour Ban Ki-deo. Moi, je pense que la meilleure solution, c'est proxy. Et du moment qu'il y a un droit de vote, personne n'a pas le droit de questionner ça. Et non, mais il n'a pas voté, lui, parce qu'il est déconnecté à la réalité, ou bien il n'est pas là, non. Mais il a le droit de voter. Détermine le droit de vote avant, après le reste, il vient de demander à faire secondaire. Mais qui est-ce pour répondre à Van Dimoun qui peut dire que Van Dimoun n'a pas contribué dans nos day-to-day business ou l'économie même du pays? Mais il n'y a pas de critère pour décider. Pour décider le droit de vote. Le droit de vote décrété par un droit universel, c'est si vous êtes citoyen de la République et vous avez plus que 18 ans, sans même dire. Jamais vous n'avez pas de considération économique, pas de considération sociale, pas de considération ethnique ou bien tribu. Pas tombe là-dedans. Car dans la pratique, dans la réalité, c'est comme ça, mais c'est pas de critères à prendre en considération. Ou pas pour empêcher du monde à cause de pas. Économiquement ou socialement connected voter. Mais si nous avons aussi un chiffre qui fin publié aujourd'hui par un organisateur de sa vote électronique de la diaspora mauricienne là, il paraît qu'il finalement 7000 à peu près ban mauriciens qui fin voter et qui fin 12000 qui fin essayer voter mais qui pas capable de voter. Donc si nous ajoutons tous les dés, il fait à peu près 19000, il pas beaucoup si nous comparons avec le montant de la diaspora mauricienne Déo. Donc, ça qui vous pensez là, Maître Delu? Ouais, la façon de voter, c'est vous rendre le système plateforme là. Après un petit moment, vous avez tout nom, ou numéro de téléphone et vous email l'adresse. Vous pensez beaucoup de monde backup là. Vous pensez beaucoup de monde fin sceptique là? Oui, ils ont calculé. Je vais mettre mon nom, mettre mon email adresse, mon numéro de téléphone. Ça n'est capable faire un coup de froid. Non, pas pour faire ça. Moi. Donc, le fait qu'il peut collecter sa bande d'état-là, email adresse, numéro de téléphone, ainsi de suite, donc ça fait une refroidie l'odeur de la diaspora mauricienne. Donc, pour lui, pas normal ça. Mais... Est-ce qu'il est légal déjà à la base? Non, mais parce qu'il participe dans une espèce de sondage qui a envie d'être enregistré pour montrer la formalité et la régularité. Et parce qu'il y a des autres solutions à part où qui s'en a, qui ou numéro de téléphone et qui ou email adresse. Pas même du moment où carte d'identité, pas même du moment où il n'y a rien. Mais pour avoir beaucoup de duplicité en vote, je pense que ce système-là, c'est un système plus propre. Plus correct parce qu'il n'y a pas même du monde qui pour un même nom capable là, pas même du monde qui a même nom pour un même numéro de téléphone et pas même du monde qui a même nom même numéro de téléphone pour un même email adresse. Donc il faut qu'il y ait un contrôle qui peut être un peu 3-4 fois
est correct. Mais c'est malade dans le contexte du jour. Dans le débat actuel qui nous était, et dans le modèle qui peut dire, qui peut veiller tout, pour crypter, pour décrypter, pour un patrol, cyber patrol, pour une technique, système. Je ne sais pas si on a comme un boat, comme un mobile force, comme un SSU, pour un patrol. Mais tout le monde finit comment se calculer. Mais là, tout le monde dit, moi, si je suis dans la loi, je suis dans mon nom, je suis au niveau. Je suis sur le Facebook, je suis sur le WhatsApp. Avec raison, on a du monde qui n'a pas beaucoup de temps, tout ça. Mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ne finit calculer. Et il y a un problème là, si vous mettez mon nom, vous mettez mon numéro de téléphone et vous mettez mon email adresse. Et donc, je suis arrivé à quelque chose. Mais quand on vous saluez, ben, qui ne pas de fin bien, et puis là, non, il y a pas de représailles là-dedans. Qui pas de fin bien, qui ne fin bien de là-bas, qui ne fin dire à la mon nom, à la mon numéro de téléphone, à la mon email adresse et à la mon choix. Mon choix, ça. Mais est-ce qu'il est normal ça qui peut collecter tout ça mandata là de tout ça mauricien là en forme d'un vote virtuel? Pourquoi c'est la première fois qu'il me trouve un vote virtuel et tout ça dans safeguard là? Parce que tout le temps nous finissons trouver un sondage qui est là, un sondage qui nous finit faire là, Maurice même à côté, est-ce que vous d'accord la peine des mots, est-ce que vous d'accord vote la pleine ça, mais pénalement qui peut faire là, mais ça, là, il est obligé de faire sa test là. Parce qu'il peut participer au vote, il est obligé de faire lui pour avoir une duplicité au vote. Mais seulement, est-ce qu'il est normal pour faire ça? C'est où qui veut volontaire pour participer là-dedans? Il n'est pas besoin de calculer, il n'est pas considéré pareil comment une élection qui est organisée au niveau national, au niveau de la République. Ça, c'est une affaire très très indépendante. Il y a tout ce bon critère, il y a un challenge, la cour, il y a tout ça là. Tandis que ça n'a pas non. Ça n'a pas fait pour recueillir un baromètre. Et qui sont l'influence, à l'effet que mon édiment parti, crasse pour tout, et que le vote à l'extrême. Est-ce qu'il diminue pour qu'il revendique quelque chose? Non, jamais. Alors, c'est un citoyen qui peut participer dans l'exercice démocratique. Là. Un exercice démocratique, vous avez dit. Lili pour assumer les conséquences, Lili vous trouvez, Lili, et je ne vais pas vous donner mon nom, mon numéro de téléphone, ou bien, quand je suis au commun de l'État, moi, je ne vais pas voter, qui me parle tant de ça? Tu as un rapport sur le mettez tel, dis-moi, telle place, tel endroit. Tout ça, fait hier là, et dis-moi, mon ministre, pas pellement, vous venez ici, tu as un sondage, que tu votes? Tout ça là, open, et Lili légitime, pour que tu ne viennes pas ici, oui. Il y en a beaucoup de monde qui dit ou quoi, si tu veux être vice-président de la République, pour que j'ai envie de voter. Moi, je ne peux pas mettre mon nom vice-président, mon numéro de téléphone, mon email, ça, mais je peux faire ça. Maintenant aussi, il y en a beaucoup d'internautes, de Mauriciens qui habitent à Maurice, aussi, puis capables de participer dans sa vote virtuelle là. Maître Delou, est-ce qu'il n'est pas faux simper ce débat là? Est-ce qu'il n'est pas défait de purpose, sa vote actuelle là? C'est-à-dire, de Mauriciens qui habitent à Maurice aussi, puis capables de voter? C'est un bon mot de haut, nous prenons un cadre légal pour sortir l'exercice qu'il peut faire là. Alors, nous avons plus un baromètre électoral qui wish mon électeur. Nous avons guetté, nous avons dit, mais nous accommodons, nous envoyons un signal fort au gouvernement qui est impopulaire. C'est ça le but. Parce que là, nous ne connaissons pas les Mauriciens qui habitent à Maurice, même qui finissent voter ou les Mauriciens à l'étranger, la diaspora mauricienne, comment on appelle eux, qui peut voter. Vous ne pouvez pas connaître. Parce qu'il y a juste ça trois qui dit là, nom, numéro de téléphone et qui met l'adresse. Au penal location, nous ne pouvons pas connaître ce que ça a été. Il faut un technicien va détecter ce que ça a été, un take place, quel endroit. Mais il ne faut pas connaître. Il y a une pénale force légale, c'est juste. Mais le simple fait qu'il peut alarmer, ben Mauricien, il n'y a pas une défaite un peu de purpose? Non, pas du tout. Pas du tout. Vous considérez comme un sondage. Moi. Pareil, moi, sur quatre sondages qui est n'importe où, vous considérez comme un sondage. Donc, parce que justement, je vais poser la question, parce qu'il y a une élection à Maurice, il y a quand même une instance régulatrice, bureau élection électorale commission, alors qu'ici, nous ne prenons aucune instance, nous ne prenons ni équipe régulée, donc il n'y a pas un peu. Non, il y a une boîte de sondage. C'est pour la finalité des choses, il y a un manquement beaucoup au niveau collatéral pour une présomption de régularité. Donc, il y a une
Plus un sondage qui est un vote. Mais normal, plus un sondage. Il y a une grosse boîte de communication ici. Mais maintenant, qui garantit qu'il y a une élection, pas pour un résultat, pas pour être truqué. Oui, mais ça, c'est ça même. C'est un badinage bien organisé. Je veux dire, un petit badinage bien organisé, bien structuré. En dernier là-dedans. Si mais non, qu'une garantie, nous ne pouvons pas vérifier non, aussi. Comment nous pouvons pas si demain, ben, on va dire, ok, X parti, Y nombre de votes, comment nous allons faire pour vérifier ça? Non, là, vous avez besoin de parti politique pour vous dire, tirer la leçon de ça. Vous avez besoin de tirer votre interprétation de ça. Chaque parti politique pour vous dire, tirer sur interprétation de ça. Mais ce n'est pas fait que je dire, ça ne nous pas prendre en compte, nous ne pas guetter. Parce qu'il y a un exercice, ça. Un baromètre électoral ça, pour bien guetter quand on a un problème. Il commence, mon camarade, il commence par une élection. À ce moment-là, il commence à avoir un topic par topic. Qui du monde penser, qui du monde pour faire, qui ne pour faire. Tout ça va être développé. Tout ça là pour venir en temps et lieu, je pense, moi, parce que dans une démocratie plurielle, tout ce qualité l'exercice et tout ce qualité proposition faire pour le bien-être des citoyens. Alors, je tout amène, de pied à l'édifice, nous guettons, ma gare sort out. Parce que Maurice fait, pour faire face à un enjeu économique, social, très très grave devant. Alors, si nous commençons par là, nous appelons la diaspora, nous proposer la diaspora, ministère des Affaires étrangères. Il y a toujours un office partout entier le monde. Il y a un officier, un ambassadeur. Mais parfois, il y a un citoyen mauricien qui fait partie de la diaspora. Sur communication plus fort que sa High Commission, que sa ambassade là, sur move pour l'île Maurice, il est capable de plus belle contribution à l'État qui a travers l'ambassade ou bien High Commission. Donc, moi, je pense qu'il est là au commencement, là, peu importe qui arrive dans sa vote au niveau de la diaspora là, mais il y a une conscientisation que, et là, du coup, même qui veut même. Pas guetter qui peut dérouler Maurice, mais il pensait qu'il il arrive à l'air, c'était moi, c'était un tilé qui peut dérouler. Nous avons une transition politique, parce qu'il y a beaucoup d'aînés de la politique, puis commence dans 15-20 années, pas pour là. Four fathers of the political science sont Mauritius, pas pour là, on a une autre génération qui est pour là. Parce qu'il y a l'héritage, un patrimoine, pour d'autres finir par derrière, mais. Dans 15-20 ans, si l'autre pape est venu pour un nouveau paysage politique complet à l'île Maurice. Nous avons calculé comment nous sommes dans l'enjeu, parce que, comme on dit, un nouveau paysage politique, c'est une nouvelle culture, une nouvelle mentalité, une nouvelle façon de faire, une nouvelle manière d'être du monde. Avec tout ce qui est logistique, au niveau national et international, au niveau de l'Afrique, au niveau de notre appartenance à SADC, Indian Ocean, l'Agua, Amérique, tout pour changer. Alors, je pense, moi, quand on engage un débat, il y a longtemps, il y a 10-3 journaux. Beaucoup de monde, il y a un week-end, Maurice à l'Express. Aller finir dans l'espace pour tout le monde. Il y a un autre monde qui peut venir en commun pour aller, qui crée l'espace démocratique. Et il peut continuer à évoluer et que ça. Il n'y a pas pour arrêter de sitôt. Tant que le monde peut évoluer, la politique peut être modernisée et pour avoir des nouveaux jeunes qui peuvent venir et qui peuvent prendre soin de leurs grands-parents. Mais ça, l'exercice, en fait, ça vote, on appelle ça vote virtuel qui est organisé au niveau de la diaspora mauricienne, fin aussi permettre de découvrir certaines lacunes au niveau d'un vote électronique. Oui. Nous finissons qu'il y en a beaucoup de monde qui peut dire dans même la case, maman, papa, pas de voter, je finis voter à cause de servir même router. Donc ça aussi devient un problème. Comment pour faire pour. Oui, connaissez un vote qui peut faire actuellement là et que le vrai vote électronique est complètement différent. Vous connaissez après l'élection 2005 qui tient une délégation de l'électoral Supervisory Commission. Je suis allé et je suis décidé qui pour bien suivre un petit peu le système dans l'aine, comment peut faire vote électronique et appliquer de ne fin trouver qu'il n'y a aucune faute et qu'il est parfaitement accessible par l'autorité pour peine aucun mismanagement. Mais malheureusement, pas qu'à implémenter parce qu'il y a certains gens encore pensé
que la régularité et que la présomption de régularité est applicable quand on peut continuer à faire un système qui une fin fait sa preuve pendant plusieurs années. Quoi qu'il y ait un doute, mais un doute, ça va être dissipé au niveau de la cour, au niveau de la pétition, comment finir là, examen finir là dans l'élection après sa quantité. Représentation légale, contester l'élection, vous pensez procès pour les plus, parce que du monde pour plus vigilant, pour plus connaître, et bien ça m'a l'air là, et la 10 bases dans une circonscription, il dépense 150 000, et nous connaît dans chaque base tous les jours, il donne 5 000 roupies, 10 bases par jour fait 150 PV. 10 bases, 50 000, vous calculez là comment était là, 500 par jour, tout ça là, alimentation. Mais 10 derniers jours, comme il fait 5 millions, mais quand il déclare 150 000, tu vois là, vous êtes récorisé, vous êtes pas couillon du monde, là. Vous êtes tiers à un mirage, là. Vous êtes une claire. Donc, vous êtes augmente sa seuil de 150 000 là? Obligé. Kislan Papers, il montre nous. Peu importe qui dit vous, dialogue dit Kislan Papers, il raconte, il là, il pas là. Mais il y a. Enfin, nous pas contre la véracité. Oui, nous pas contre la véracité de ça. Nous pas à base, nous, à l'oubli devant. Dans l'interprétation, mais ils disent calculer, mais base aussi qui Kislan Papers vient faire. Mais est-ce qu'il ça va faire David qui peut venir faire qui 150 000 pour dépenser la route, ça ne make sense, ça ne pas make sense. Tout cela est arrivé. Tout cela, parce qu'ils nous connaissent, nous. Ils ont ouvert base pour l'élection et base par où bien gros pour gagner die-hard de la politique qui vous dit non, moi, mon contribution. Au niveau de la police, au niveau de, du pays, il plus grand, il peut ouvrir, l'équipe est ouverte, il peut supporter l'équipe, il n'a pas besoin de sous, il n'a pas besoin d'ornier, il n'a pas besoin d'ornier, nous juste là pour voter. Et là, il y a beaucoup de circonscriptions, il y a du monde qui fait ça. Mais il y a du monde qui fait ça dans notre modèle. Il y a une base pour un tel. Dans le patin de la vie, il y a cette base. Quand il finit cette base, il y a de là, il y a cette base, moi, tu pourrais prendre. Il y a une fin de monopole trois coups. Et là, vous voulez un matin, il sont pas avion un matin, rouge, bleu, jaune, vert. Marie, midi, il ramasse rouge, bleu, jaune, vert, il y a bien jaune, bleu, rouge. Il y a les combats. Et quand on va aller deux autres, il faut te faire vert. Il dit, mais la coupe l'eau dit, comment vous pouvez gagner encore? Harvest time. Mais tout ça là, vous pouvez être revu. Ou prendre du monde, vous mettre dans l'auto, vous faire rentrer dans l'auto, payer l'auto, l'homme, payer le chauffeur, ou bien faire le voter. Mais perception au niveau international, mais il y a ça. Il y a une influence, il y a un trafic d'influence aux élections. L'eau manger, l'eau boire, l'eau loto, l'eau logistique. Enfin, non, il y en a quand même plusieurs du monde qui disent qu'ils ne font pas partie, folklore. Mais il y a une fausse folklore. Dernier lien, il cause dito à l'exercice démocratique. Dito complètement. Ça dit que les gens qui ont une politique qui peut venir, qui peut venir faire Mahatma, pas pour capable de rendre jamais. Parce que Mahatma Gandhi, il est dans la révolution. Mais l'autre beatbox, nous trouvons dans beaucoup de films, nous ne trouvons pas. Pour prendre un exemple, Singam. Nous trouvons ce qu'il trouvait dans le film, la réalité locale. C'est même qui est arrivé. Et dernier moment, on ne connaît pas, on trouve un candidat. Et là, beaucoup de monde me demandent, un acteur qui connaît faire film, qui écoute producteur, directeur film, tout le temps a un rôle. Mais un bon acteur qui n'a pas écouté, il va pour faire un rôle là. Mais le prochain coup, il va un rôle dans le film, il va pour gagner. Tout ça là est à bien le voir. Dans le deuxième volet de l'émission, nous causons un petit peu l'actualité politique dans le pays, Maître Delu. Nous finissons l'entente de l'opposition qui regroupe le Parti travailliste, CMMM, PMSD et Reform Party. Et suite à tout ce qui finit arriver, tout ce qui finit passer, nous tout connaissons qui finit arriver, finissons même un changement dans le poste constitutionnel, leader de l'opposition, Orvin Boulel finit démissionner. Après, le Parti connaît qu'il y en a qui a envie, prend sa poste là. Finalement, Xavier Luc Duval finit de l'avant et finit accepter. Pour prendre sa pose constitutionnelle là, même si il dit qu'il est pour temporaire. Maintenant, aujourd'hui, nous retrouvons avec une autre alliance, une alliance de l'espoir qui, sans le Parti travailliste, qui regroupe encore une fois le MMM, le PMSD, le Reform Party de Rochi Badin et Nando Boda qui, entre-temps, quitte
le MSM, qui finit démissionner de toutes les instances, ou en tant qu'un observateur politique, Maître Delou, qui vous pensez, ça l'alliance-là, est-ce qu'il s'appelle inspire ou l'espoir? On est, le clair et net, qui élection générale, les pour après 2024. Après 2024, qui pour une élection générale, si nous pouvons continuer à leur attraîner, que nous viendrons là. À cette opposition, c'est une opposition qui est construite au mesure, au fur et à mesure, qui élection générale est en train de rapprocher. Nous finissons trouver l'histoire Maurice, nous finissons beaucoup l'alliance avant, nous commençons à démarrer, après nous poser, mais l'alliance qui vous prend, je vais prendre l'exemple de l'élection 2000, septembre 2000, 11 septembre 2000. Mais je parle de Free Corner Fight, travailliste avec PMSD d'un côté, MMM d'un côté, MSM d'un côté, je parle de Free Corner Fight, un dernier moment, nous finissons dans la croix israélienne, ils ont raflé l'élection. 54-6. Donc, n'importe quelle alliance qui fait, qui pas fait, là, à l'heure actuelle, là, dans le contexte communauté, dis moi pas pour prêter attention à l'alliance. Là. C'est moi, dis moi prêter attention à l'action au terrain et dire la vérité qui peut dérouler au niveau politique. Nous ne finissons évoluer à ce terrain. Comme on pourrait dire, manière qui organise l'élection, manière qui fait l'élection, 76, 82, 83, 87, 91, 95, 2000, 2005, 2010, 2014, 2019, il finit sans eux. Beaucoup de gens qui font l'élection dans 76, 82, c'est quoi? Dernière élection 2019, les pays pour behave pour moi, les pays pour behave pour moi. Non, unpredictable. Astère, Mauricien commence à réaliser. Et dit bon qu'ils ont réalisé. Moi, personnellement, je pense que la prochaine joute électorale, peu importe qui l'alliance pour une, qui l'alliance pas pour une, qui l'équipe propose quoi à la population. Ça qui est plus important. Critiquer tous les jours, venir critiquer, oui, critiquer, ça pas bon, ça pas bon, ça pas bon, ça pas bon. Depuis longtemps, nous faisons critiquer, critiquer, critiquer. Mais proposer. Proposer qui peut faire, qui pas pour faire, qui peut faire, qui pas pour faire. Ne pas tout oublier. En 2005, Dr. Amoulam a gagné l'élection parce qu'il vient dire qu'il peut faire. Il vient dire qu'il peut faire après l'élection 2005. Qu'il peut changer la vie du monde. Il peut changer l'élection municipale, grafler partout, transport gratuit pour vieux du monde, pour l'école. Du monde a fini de connaître. Qui peut là? Qui peut faire? Là, Mauricien pour calculer, mais pour tirer A pour mettre B, pour tirer B, mettre C, C, mettre D, pour venir faire quoi? Ou pas qu'à continuer de tirer sa banane, mais c'est moi, sa système, comme un autre vini, ou retrouve même PS, même PAS, même advisor, Révin Kadreli, d'ailleurs, un ministre là, peut-être que tu peux advise. Zoro l'autre fois là, ça va devenir advise Batman, quand Batman va pouvoir te advise Superman, mais qu'il soit Zoro, qu'il soit Batman, qu'il soit Superman. Toujours gagne Souris Boudjali, toujours gagne Vinod Bacha derrière, toujours gagne Dave Manraz derrière. Qui peut changer? Je suis ministre des Finances, dis-moi. Je gagne Dave Manraz dans le ministère des Finances. Maintenant, vous êtes un gourou de la politique science, un gourou de la finance, tu peux vous accorder autant que tu peux faire. C'est ça qui n'arrive pas derrière aujourd'hui. Maintenant, il reste là pendant tout ce temps-là. Il est résolu dans le même jeu. Ça veut dire qu'il peut changer flush d'eau pour un nid et reste pareil. À ce stade-ci, il y a un parti politique qui a un grand, grand défi. Grand, grand défi international que nous sommes capables de bénéficier. Parce que nous sommes un petit pays, nous. Imagine bien Maurice, dans un contexte ACP, CEE, DICIC, textile, agua, tout ça là. C'est une finale plus que dans la cour, la relation qui est en Moulin, avec le président français. Comment ça, il y a une fin, comment il y a docteur en Moulin. Sarkozy, il est parti encore président de la République, il est encore ministre de l'Intérieur. Il aide beaucoup au niveau de la police. C'est le national qui a tapé, le gouvernement a dit mais nous devons faire ça, nous devons faire ça. À ce stade-là, vu la situation unprecedented, basant le Covid, vu sa situation actuelle, parti politique qui pouvait dire qui il peut faire et comment il peut faire et qui peut et qui pas peut
sa même parti qui vous gagne l'élection. Peu importe l'alliance que vous faire, gauche, droite, un tel, place des hommes ici, puis jouer dame, ça dans mon côté, ça dans mon côté, jouer les deux, un rouge, bleu, zone vert, non, non, non. Qui pouvait faire? Parce que là, je pense, moi, mon Richard arrive dans cette situation-là, nous avons envie de connaître qui vous pouvez faire. Ou par rapport à ce qu'on se donne dans sa conception, avec qui vous faites pour sa conception-là. À la veille élection, 7 jours avant, ou descendre dans sa conception, mais pas qu'on ait combien de bureaux de vote, combien de villages, combien de gens pour venir là, qui là. Ça n'a rien, ouais, ça grand-père tel, ça grand-père tel, non, 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 non. Situation pour changer. Député qui pour le terrain, candidat qui pour le terrain, ben l'homme qui pour élire. Parce que bon, je n'ai pas arrêté de dire l'examen de manière, un coup, on trouve une actrice ici, une autre actrice là, fume changer, directeur changer. Pèse les temps. Chaque circonscription, il besoin assume ses responsabilités. Il besoin connaît qui ça n'a, il peut voter et qui ça dit moun là, sur connexion au terrain, sur connaissance au terrain et qui les mouvines faire dans le Parlement. Parlement est important. Quand je dis tout, tout le monde vous est partout politique, peut dire, il est important, mettre Sénat. Ça le grand sorti là. Mettre tel du monde, besoin créer Sénat, besoin créer Sénat pour donner guide qui ça n'a. Donner guide Parlement. Besoin. Nous avons besoin d'un système pour nous faire l'Angleterre, House of Commons, House of Lords. Ban Pierre, ban boss décidé et n'aéré là-bas. Ou pas capable à travers ban régulation, contrôle ban mouvement. Ou besoin de passeport, beaucoup stricte et légal pour faire ça. Alors, beaucoup perdu vers le Sénat. Et le Sénat, c'est causé en 1995 pour l'île de votre travail. Si tu dis, besoin de mettre un Sénat. Qu'une fois, tu peux prévoir à l'époque là, aujourd'hui, c'est une charge de l'avant aujourd'hui, où tu prends deux chambres. Important avant qu'il vienne et qu'il y la loi barbare. Tu faisais passeport tel, tu faisais oui, ils ont voté, ils ont venu dans l'Assemblée, ils passent là, ils ont le niveau parlement, mais ils ont les autres affaires ici, ils ont un droit de regard, purement pour le bon fonctionnement de la démocratie. Donc, on peut dire pour le bon fonctionnement de la démocratie, ou on propose un système comme un an dans plusieurs pays, un système côté dans le Sénat. Et second, oui, vous pensez que vous avez une loi là. Parce que beaucoup nous bannent du monde, que ce soit le niveau politique, que ce soit le niveau fonction publique, et que ce soit du secteur privé, ils ont fini beaucoup roi, ils ont fini beaucoup développement. Pas quand arrive un moment que vous êtes capable de ban guide, ban sage, ou vous êtes à la retraite, bien duré, ban mes petits enfants, l'école maternelle, l'école primaire, c'est un son rôle. Quand sur connaissance, et que sur façon maîtrise de chez, il est important pour le développement de nos futurs politiciens et du pays. Pour revenir à ça, l'alliance de l'espoir là, Maître Delou, il paraît aussi que c'est une alliance qui finit créée dans le cadre d'une éventuelle élection municipale, maintenant qu'élection municipale dans le contexte Covid, d'une crise sanitaire, il peut être renvoyée. Est-ce que ça, l'alliance là, selon vous, il peut durer? C'est simplement un placement de pion. Et nous trouver avec les temps, du monde plein de vos affaires. Il finit une alliance, il va finir fonctionner. Il finit une deuxième alliance. Il peut faire son travail dans le sens que sa quatre leaders là peuvent venir dire, peuvent critiquer. Il y a encore bien de son push, il y a encore bien à la communauté. Mais la manière du jour, moi je dis l'élection 2024. Élection 2024, peut-être 2025 même, il paraît que beaucoup d'organisations qui peuvent faire au niveau politique sont un peu prématurées. Il est trop prématuré. Parce que tout le temps, nous venons dire un pays n'est pas carré systématiquement en campagne électorale. Bien dans sa campagne, bien décider qui peut faire. Nous devons suivre une grande démocratie dans le sens que nous connaissons quand on approche une élection générale, qui date, qui joue. Covid, pas Covid, nous trouvons la France. Covid, pas Covid, mais mon exercice démocratique, pas l'empêché. Il finit de dire oui, mais c'est mal bizarre de faire mon exercice démocratique. Mais aujourd'hui, Covid, il vient une excuse pour ne pas faire l'élection municipale, qui n'est pas correct. Élection municipale. Donc vous pensez qu'il y a besoin d'une élection municipale oui, en jeu? Bien sûr. Malgré. Un contexte que oui, nous pouvons vivre. C'est normal. Nous devons voir. Qui fait un nom? Qui fait un même jour? Nous pouvons bien extender nos mains de temps qui est bizarre. Nous faisons doucement, doucement. L'exercice démocratique est important parce que
depuis la dernière élection municipale, jusqu'à ce temps-là, il finit dans beaucoup de changements au niveau des circonstances et beaucoup malin qu'il finit dans la dernière élection municipale, soit pas pour élire San Koula ou bien pas pour participer, même carré. L'administration de la ville, il a demandé, il a besoin d'être constamment. Quand un assiste d'une place à vie, mais il a toujours qualité de tentation, il a toujours qualité de quelque chose quand on a contrat, quand on a casse faire rentrer. Ça, un système démocratique, là, il faisait de se rouler. C'était pas capable ou que c'est une occasion de dire comme ça, oui, et ça. Covid, là, nous avons une occasion de descendre du tuteur à l'élection, là, non. Pas des ans. C'est quand même extenu encore un petit peu de temps. Oui, il ne faut pas dire non. Mais quand on parle de l'eau, on peut dire, mettre ça dans le coin après nous guetter plus tard. Et pour mettre l'idée dans le coin, il faut probablement qu'il puisse aller, qu'il n'y ait pas pour l'élection municipale, dit tout, avant l'élection générale pour 5 ans. Il faut probable parce que l'élection municipale n'est pas un baromètre pour le gouvernement et que la situation dans la ville n'est pas bon du tout. Il ne faut pas croire. Bon, le premier ministre n'est pas couillon à point pour aller vendre l'élection municipale quand il veut gagner une bataille 120-0. Il n'est pas dans ce jeu. Il n'est pas dans ce situation. Il est comme ça dans la ville, pas une cause du gouvernement. Dans la ville, gestion, tout bande de chez qui finit là, tout ne vient pas là-haut. Donc, pour moi personnellement, renvoyer l'élection municipale, les plus. La frayeur d'une défaite qui Covid. Il paraît aussi que finalement beaucoup secousse au sein de la basse-cour bleue. Un an même, un parlementaire, le député de la circonscription numéro 3, Salima Bass-Mahmoud, qui finit démissionner. Un an peut dire qu'il y a une autocratie au sein du parti. Finalement aussi la démission de Rochane Sitoal, membre très connu du PMSD. L'île est cause d'une divergence dans l'opinion politique ou qui vous pensez de tout ça démission, ça secousse qui peut traverser au sein du PMSD? Nous en grande mutation politique. En grande mutation politique parce que pour moi, mon pensée dans le sens qui ne fonctionne plus dans la manière de voir mais qui s'en a pour venir ben, héritier, ben, électorat après. Moi, je vais dire où tu là. Dans 10-15 ans, pour un nouveau paysage politique, mais pour un héritage politique aussi. Peut-être l'entrée de Nando Godin dans l'opposition, une finition beaucoup donnée. L'entrée de Bruno Lorette, une finition beaucoup donnée. Renforcissement du niveau parti travail, que tout le monde dit que le docteur Amboulam, une finition beaucoup donnée. Il montre qu'il y a encore un grand meneur de troupes au niveau parti travail. Au niveau MMM, on peut commencer à calculer que le leader n'a pas proposé de candidat, il n'a pas pour aspirer à assumer telles affaires. Il commence très bon débat dans son électorat. Le niveau PMSD, nous finissons trouver qu'il y a une classe interne en zut. Et une classe interne reste. Ça va être un problème domestique qui vient être réglé en zut. Mais une mutation politique est inévitable. Dans tout parti politique. Non, mais il paraît que ça va être un problème interne. N'a pas fini capable de régler, vu qu'ils ont fini démissionner. Peut-être pas fini l'envie. Vous voyez, il y a des affaires dans la politique. Il y a la volonté de régler quelque chose et il y a aussi la volonté de claquer la porte. De bon, pas envie de régler. Moi, there's no more communication between us. Tout ça, c'est un facteur individuel à être considéré. Mais il y a une grande mutation politique. Il y a une plus low aspiration un électorat ici. Fait que moi, je dis que moderne parti politique, mais le parti politique, il décide pour réintroduire la peine des morts. Et moi, je suis avocat, grand défenseur des droits humains. Je suis avocat dans beaucoup de miscarriage of justice cases, plusieurs fois. Moi, avec M. Valadène, j'ai un case Orogo Kwasi, Michael Ahot, Nunku, Lamical, Ramène Réfier 2-0. Mais dans le préfet, toi, zéro, nous venons de la libération. Mais si je dis mon parti politique, moi, je dis mon parti, je compte mon parti. Mais je dis mon premier ministre, je dis comme ça, je connais, des sens policiers, là, nous devons introduire la peine capitale. Qui m'a fait? Je dis, si je ne suis pas d'accord, je vais te dire, allez. Qui m'a fait? Je dis, d'accord, je suis tranquille, je dis, allez, je suis en opposition. Donc, je dis non, pas possible, je ne suis pas d'accord avec l'introduction de la peine de mort. Parce que moi, je connais le problème de miscarriage of justice. Jamais dans le pays, si dans mon pays, le pays là considère la peine de mort, je ne suis pas pour quitter le pays, je ne suis pas pour rester. Parce que je connais
Comment est-ce qu'on a assis le parcelle sur camarade? Manière formation, manière du système, manière access to legal justice, tout ça là. Mais quand ça va une fatalité qui finit déroulé là, il déroulé, peut dérouler, pour dérouler, pour continuer dérouler. Mais pas beaucoup d'accord qu'il a peine de faire interroge. Mais si je ne suis pas d'accord avec mon parti politique qui lit ou qui parle de l'avant, pour vous dire, back up. Pour vous dire, allez, soit pour aller faire politique, un autre modèle, soit pour aller introduire dans une équipe qui paye. Donc, ça va être une considération personnelle, base plus le demande ou électorat, et est-ce que vous continuez à pratiquer ça dans sa partie qui vous faire fait la politique? Les dames vous remettent beaucoup d'affaires en question. Après, le parti politique est un leader. Il y a beaucoup de relations interpersonnelles, relations groupes, relations clans, relations cliques. Et tout ça, là, quand mélangé, quand il y a un cocktail explosif et quand il y a beaucoup d'émissions, entier le monde comme ça. Parce que c'est dans la relation humain à humain. Est-ce qu'il est content de moi? Est-ce qu'il est béveillé moi? Est-ce qu'il est méfié moi? Est-ce qu'il est à l'aise? Moi, je pense que toutes les missions déroulées dans le parti politique ou même au niveau de l'Alliance, parce qu'il n'est plus à l'aise. Alors, mon camarade là, peut-être qu'ils n'est plus à l'aise et l'état-major aux autres partis, ou bien l'état-major aux partis pas à l'aise aux autres. Vous comprenez? Ça ne vient pas pour arrêter la mutation politique, pas pour arrêter. Nous avons trouvé tout le monde à un certain moment dans la politique maurice, travaille ensemble pour le bien-être du pays. Tout le temps, nous avons fait un appel à un gouvernement de coalition nationale, oublier toute différence, guette ce qui est vivant, guette l'intérêt des peuples, guette l'intérêt du pays. Tout le temps, nous avons fait ça. Mais c'est arrivé, et nous avons dit, mais quand on ne pas faire une alliance, c'est qu'un parti qui tout le temps finit de combattre. Donc, tout le monde a dit, l'idée est souris. Donc, justement, vous pensez qu'un an au sein du PMSD, pas à l'aise avec sa alliance de l'espoir là? Peut-être oui. C'est réaliste, oui. Peut-être. Peut-être beaucoup de monde pas à l'aise. Peut-être qu'il, par un certain moment, le leader parti politique, là, vous avez réalisé qu'il n'est pas practical pour faire ce qu'il peut faire. Dans la pratique, bah, je le crois, quelle considération l'alliance a à faire, qui fait une faire dans un modèle là, qui s'en a pour lead, qui s'en a qui pas pour lead. Justement, il y a encore flou qui s'en a qui leader de l'alliance. Oui, mais on connaît chaque parti, finalement, décide sur stratégie pour la prochaine élection. Et la stratégie pour la prochaine élection, c'est une décision qui prend commun, bien une décision personnelle. Est-ce qu'il, quand il prend une décision commun, bien personnelle, il peut réfléchir au wish électorat? Ou quand un film, Bachan, tu vous amènes rôle d'Amènera, d'Amènera, tu vous amènes rôle Bachan. Film là, tu prends un succès. Mais le fait que Bachan qui amène ça l'autre rôle là, l'autre qui amène rôle là, il n'est pas cadré bien. Donc, la valeur du jour, c'est une ben, décision prend par un ben, leader parti politique. Mais le fait que l'élection paraît qu'il y a assez loin, pour un changement, pour un beaucoup d'imitation, pour un autre, parce que, bon, pensez-moi, la valeur du jour, le temps que nous trouvons, le plus grand parti politique dans Maurice, c'est Port Stavaïs, actuellement. Est-ce qu'il y a un partenaire là pour les Stavaïs, tout seul, les la bataille là tout seul ou bien collant sa mort? Trop bonheur pour répondre ça. Il y a beaucoup de considération parce que d'ici 2024-2025, beaucoup d'affaires qui peuvent arriver. Il est bon qu'il débute l'opposition à tel jour avant de travailler, travail parlementaire, travail au terrain, parce que moi, la démocratie n'est pas qu'à être mort. Il est bon qu'il y ait plusieurs partis politiques qui revendiquent, qui disent ça. Mais c'est moi, le problème, c'est la coordination des bonnes idées. Je vais prendre l'exemple du parti de la Ligue de résistance alternative. Constamment là, au terrain, constamment politique, constamment présent, constamment avec voice out. Bonne grande idée, mais comment nous traduire ça dans action, in action? Tout ça gratuit qui est là, à jour 10 jours, qui vient sur le colter après l'étude. Comment pour cadrer ça dans le système? Il y a beaucoup de sommets là-dedans. Ça va être un débat là qui nous a engagé. Et chaque année, il y a un nouveau défi. Jamais nous, tu vous connais après l'élection 2019, quand nous, tu pouvais être aujourd'hui dans la situation Covid là. Mais chaque année, il y a un nouveau défi. Et parti politique qui pour design, on a amortissé du développement économique, quand pour faire un plan monétaire, plan de gestion, plan structurel, je pense que nous avons un grand sens. Et aussi l'environnement et le changement climatique, nous avons un grand sens dans la prochaine élection.
En tout cas, merci beaucoup, Maître Nikan Delou. Merci, Lion News. Merci beaucoup. Nous finissons à la fin de nos émissions. Nous retrouvons très prochainement pour une prochaine émission de l'heure du débat. Merci beaucoup et bonne soirée à tous les fidèles internautes.